chocolat, je vous ai pas parlé avant, et je vous retrouve du coup au petit déjeuner. Du coup, comme tout le matin, j'ai pris mon chocolat, une tartine avec du beurre. Là, ce matin, j'ai innové parce que là, on est venu plus tôt, du coup, il n'y avait pas le gâteau qu'on prend d'habitude. Du coup, j'ai pris un quartier d'orange avec trois pruneaux et mes céréales, comme d'habitude, les chocapics et des cornflakes un peu complètes, parce que c'est moins sucré, je trouve, du coup, voilà. Le programme pour aujourd'hui, je sais pas trop, parce que là, il n'y a pas trop de soleil, du coup, on verra tout à l'heure. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que j'en profite qu'il n'y a pas trop de monde pour aller vous montrer les buffets. Du coup, là, comme vous pouvez voir, il y a plus de trucs pour les entrées que pour les santé. Par contre, vous avez tout ce qui va être céréales. Ouais, voilà, c'est un cœur, c'est pas drôle. Et du coup, là, on va partir voir les tombeaux des rois. C'est en fait quasiment en face de l'hôtel, et vu qu'on voulait aller les voir, enfin aller les voir depuis le début. Et comme vous savez, du coup, il y a eu un petit souci avec mon papa, et là, du coup, il peut un petit peu marcher, et c'est quasiment à côté. On va en profiter pour y aller. Du coup, je vous montrerai en même temps des images. J'ai pris le réflexe des photos avec mon appareil, avec mon téléphone. J'ai mis un chapeau, hein, oui, c'est très chaud, j'ai pas l'habitude, donc dites-moi en commentaire comment vous trouvez le chapeau. Couleur des amis, parce que j'ai pas l'habitude d'en mettre, d'ailleurs je l'avais mis à l'envers, comme vous voyez, enfin bref, c'est pas grave, hein, voilà. Donc on s'est hyper dépêché pour descendre et pouvoir vite y aller. On y va maintenant, en fait, parce que le matin il fait trop chaud, et là, cette heure-là, ça commence un petit peu un peu moins chaud, quoi. Oui, on est en 33, mais bon, c'est moins chaud que le matin. En plus, là, il y a un ou deux microscopiques nuages qui vont cabouter un peu le soleil, ce qui fait qu'on a un peu moins chaud. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, du coup, je vous retrouverai au tombeau des rois. Du coup, on est arrivé au tombeau des rois. Du coup, là, on continue tout droit, comme le monsieur nous a dit, vu qu'il parle pas français, des fois, c'est pas évident de se faire comprendre, surtout qu'ils ont un accent anglais assez fort, du coup, j'ai du mal à comprendre. Du coup, là, pardon, on va aller voir. Comme vous, j'ai chaud. Du coup, là, on est dans un des premiers tombeaux. Alors, par contre, je vous mettrai sûrement à côté, quand je parle, les tombeaux, etc. Parce que là, j'ai pas trop d'informations. Mais voilà, donc là, vous avez toutes les colonnes. Mon papa. Il y a pas mal de vagues et du coup j'ai dû changer d'appareil parce que mon téléphone n'avait plus de batterie, du coup je suis obligée de filmer avec mon réflexe. Du coup je ne vois pas du tout dans le retour de caméra si on me voit bien comme il faut ou si vous me voyez, mais bref, c'est pas le plus important. Comme je vous ai montré, depuis le tombeau des rois en fait on a une vue sur la mer et c'est juste trop beau, du coup je vous mettrai les images juste après.
Du coup là, il est 7h30, il est un petit peu plus tôt que d'habitude et on boit l'apéro. Ce soir, j'ai pas pris un verre d'eau, mais j'ai pris un Blue Lagoon. Et du coup après on va aller manger et puis vu que papa peut pas trop marcher à cause de son genou parce qu'il se fait retirer les fils demain ou mardi, du coup ce soir on va rester tranquille, on va regarder le spectacle de l'hôtel et demain on verra suivant le vent où il nous emportera. Je vais essayer de vous vloguer les buffets ce soir s'il n'y a pas trop de monde parce qu'on dirait qu'il y a quand même beaucoup moins de monde aujourd'hui, du coup j'essaierai de vous vloguer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu la terrasse, j'ai ouvert un 360 de la terrasse, donc là le bar c'est juste là-bas, et on sort sur la terrasse du coup, voilà. Du coup là on est au restaurant, donc là c'est ma maman qui me donne des olives noires parce qu'elles sont grosses et elles sont hyper bonnes, les vertes sont bonnes mais quand même moins que les noires qui sont juste délicieuses. Du coup j'ai pris un petit peu de salade grecque mais dessus il n'y a plus de feta. J'ai pris des spaghettis bolo et de la pizza, ça tombe bien, j'avais envie de manger de la pizza ce soir et c'est parfait parce qu'il y en avait. Je sais pas trop si vous m'entendez mais au cas où je serai au montage d'améliorer ça, du coup bon appétit. Petite update, ma maman m'a ramené à nouveau des olives noires. Mais je vous jure, si vous aimez les olives, j'aimerais vraiment que vous puissiez goûter celle-là parce que c'est vraiment juste une tuerie. Là je filme du coup à portée de bras parce que j'ai oublié ma barre à selfie. Là je me suis mise dehors un tout petit coup. Comme vous pouvez je suppose entendre en fond sonore, c'est le bingo à cette heure là, il y en a tous les soirs à l'hôtel. Je vous avoue que c'est un petit peu relou à la longue mais bon c'est pas grave. Du coup c'est vrai que du coup on a été manger, là on est reparti boire un verre. Je suis avec mon réflexe parce que je suis en train de prendre un petit peu de photos de l'hôtel et puis des photos avec mes parents, des photos aussi des barman qui sont juste adorables. Du coup j'ai pris des photos de tout ça. Du coup là je pense que je vais pas vlogger de la soirée, je vais prendre des photos. Je pense que je vais profiter un peu de mes parents. Il y a une voiture qui arrive, je suis désolée. Du coup je pense que voilà. Demain le programme c'est tout simplement piscine et bronzage comme d'habitude. Du coup je sais pas si je vloggerai demain. Si je vlog ce sera demain soir parce que si mon père a réussi à se faire enlever le fil, on sortira demain soir. Du coup de toute façon je vous tiens au courant. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous fais